coming down. See the shadow of my love. All the monsters came. Maybe blue eyes. Salut, c'est Seven, c'est Kamal, on se retrouve aujourd'hui. Enfin, ce soir, du moins, pour ma part. Pour l'épisode numéro 21 sur Watch 2. Alors, la dernière fois, on s'en est arrêté. Qu'est-ce qu'on avait fait? Que je me rappelle bien. Je sais plus. Voilà, j'ai un trou de mémoire. On avait ramené T-Bone dans notre bunker. Ah, je suis désolé, je vais pas parler trop fort parce que ma copine est en train de dormir. Alors, le bruit que vous venez d'entendre, c'est mon chat qui vient de se casser la tranche. Voilà. Et donc, je vais pas parler trop fort, ma copine est en train de dormir. J'espère que je la réveillerai. Voilà, donc on va démarrer tout de suite l'émission. Donc, l'émission, c'est Par tous les moyens. Ce coup-ci, on oublie Bad Bug. J'y vais seul. J'ai vu l'intérieur, je connais la salle. Irak est quelque part là-dedans. Il va vite comprendre que j'arrive. Il sait ce que je veux maintenant. Cette fois, je repars avec tout. On va y aller. Oh là, il n'y a pas de quartier. Je vais en buter. J'ai la troisième fois qu'on vient ici, je crois. Ça y est, je suis à Rossi Fremont. Je te vois. Bon, tu vas me dire pourquoi on cherche la merde à ces mecs. Tu veux vraiment savoir? Pas vraiment, non. Il y a un ordinateur à l'intérieur. Oui, non, mais ça va, c'est bon. La vérité, c'est que je m'en fous. C'était juste pour discuter. C'est bon, lui, je le tiens. Bonjour, toi. Yes, t'as vu comme je suis bon? T'es pas si bon que ça, je t'entends lui tirer trois coups. Quoi ce bordel? Je m'attendais à des gosses avec des armes en mousse, on dirait des putains de militaires. Je te présente les Viceroy. Irak a une approche différente du contrôle des rues. Bah ça fout les jetons. Oh les jeunes d'aujourd'hui. Putain, il en sort de partout. T'es sûr que tu veux aller là-dedans? J'en ai aucune envie, mais j'ai pas trop le choix. C'est ça ton problème. Tu réalises pas qu'il y a toujours une meilleure option. Tu restes bloqué sur ces petites aventures qui t'apportent jamais rien de bon. T'as fini? Pour l'instant. Clara, tu peux m'ouvrir cette porte? On est sur le coup. T-Bone dit qu'il a une idée. Ouais. Ils utilisent mon système de cryptage sur les portes de sécurité. C'est difficile de trafiquer à distance, mais ta petite copine a eu une putain de bonne idée. Si t'arrives à couper l'alimentation de la porte, ça va rétablir le code base pendant une demi-seconde. Et tu le connais, ce code base? Ouais. C'est même moi qui ai écrit l'algorithme. Alors, on essaie? Allez, toi, hop, regarde ça. Attention. Tac, un refus de choisisse. Dans le mille. Le blackout. Ça a marché. Tu nous remercieras en personne. Sois prudent, Aiden. Et voilà. Tu crois que je m'y attendais pas? Design. Ouais, d'accord. Il est jeune pour la vache. Là, on passe aux choses sérieuses. C'est pour ton arme. Je crois que t'es balèze. Tu te prends pour un super champion des réseaux? Et ben moi aussi.
Le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est le manque de politesse. Là-haut, sur mon terrain, ça se passe à un autre niveau. Les flics pensent qu'on surveille les rues, alors qu'en fait, c'est toute la ville qu'on surveille. J'aurais bien piqué leur salle de jeu quand même. Est-ce qu'ils savent que je suis ici? Ils vont voler. Ah ok, t'as besoin de réfléchir. Hey, je te vois. Putain de merde, il est touché. On va faire le GTA. Il a réussi à nous contourner. Allez, on remonte. Non, on est dans la merde, c'est chaud là. C'est chaud. Hein. Hey, allez-y, contournez-le. Putain, il était juste là. Attaquez-le sur le côté. Par ici, il est par ici. Cours. C'est réglé, je pensais qu'il y aurait fallu plus. Ouais. Il est en train de tourner en rond. Regardez les infos. Tout ça, je l'ai fait tout seul.
Tu crois que c'est un jeu peut-être? Sortez et trouvez ce fils de pute! Je suis désolé, je parle pas beaucoup, mais je suis à fond dedans. On aurait pu faire exploser ça aussi, ça m'aurait évité de... Du coup ici, tu fais... Il y a personne ici. Oh, c'est une connerie. Ouais, non, personne. Irak est où? C'est bon, Clara, j'y suis. Tu vas bientôt recevoir des trucs. Oui, je le vois. Ça commence à arriver. Tibone se mettra sur le décryptage une fois que le transfert sera terminé. C'est vraiment gros comme téléchargement. C'est l'arme principale d'Irak, son moyen de pression. Il accumule toutes ces infos depuis des années pour faire chanter les gens. Ok, c'est bon, on a tout. Maintenant, ramène-toi, Aiden. Tibone a lancé le décryptage. C'est bon, j'arrive. Hop, les délais qui vont arriver. Même pas. On va bien croiser Irak quand. Elle va. Oh, sa mère! Te voilà, toi! Crispin? Non, qu'est-ce que je raconte? Pierce, c'est ça? Toi, c'est Pierce, celui des enchères. Irak! C'est toi qui me pourris la vie, connard! Parce que ça fait pas semblant en ce moment, moi je te le dis! Bouge pas, enfoiré! Je vais pas te laisser t'en tirer comme ça. Tu t'amuses à me faire chier et tu viens fouiller dans mes affaires? Tu veux me niquer mes plans? Irak, ils sont tous nets! Alors c'était toi, l'autre hacker du Merlot. C'est ma monnaie d'échange. Mon chef-d'œuvre à moi. Et toi, t'essaies de me le piquer? Tu m'as volé quelque chose qui avait bien plus de valeur à mes yeux. Moi, je t'ai piqué un truc. Putain, je te connais même pas. Hey, couille. Tu veux me chercher la merde, c'est ça? Tu rentres chez moi et tu veux voler mes trucs? Tu sais qu'il fout, bâtard? Rien. Tu sais. Oh. Quel bruit ici. Quel bruit. Et je vois un trou, je saute de. Tu veux me chercher la merde, c'est ça? Tu rentres chez moi et tu veux voler mes trucs? Tu sais qui je suis, bâtard? Tu sais? Un petit minable qui veut jouer au gangster. T'as tout faux. Et t'es la petite pute de Lucky Queen. Putez-moi cet enfoiré!
Tu crois vraiment qu'on est potes? On tape la discute? Je vais me barrer avec tes fichiers, tu sais. Tout ce que t'as fait, tout ton travail, envolé. Le Merlot, c'est un hôtel de luxe. Une cage à gros richards qui demandent qu'à cracher leur pognon. Toi, tu me le voles, mais un jour ou l'autre, quelqu'un te le volera aussi. Les secrets, ça circule. Et il y aura toujours des gens prêts à mourir pour les secrets. C'est la malédiction du pouvoir. Bon, c'est pas une négociation, là. T'as voulu te battre, Pierce. Alors c'est parti. Tu vas voir, je vais te faire la misère. Une énorme quantité d'informations qu'il utilisait pour faire du chantage. Mais il cherchait quelque chose d'encore plus important. Il voulait la vidéo du Merlot. Il n'aura pas réussi à la retrouver. Les Viceroy ne mettront pas longtemps à se regrouper et à choisir un nouveau leader. Quant à Bedbug, c'est sa chance de quitter tout ça. J'espère qu'il la saisira. Oh là là, c'était pas facile la fin. En plus, on avait un dialogue très chiant. Tu fais pas mal de bruit, mais tu progresses au moins. Je sais ce que je fais. J'ai pas besoin de t'avoir sur le dos. Oh, je crois que si. On a toujours mieux bossé en équipe, et tu le sais. C'est pas une faiblesse de l'admettre. On va faire un petit trajet rapide, je vais enchaîner avec la deuxième mission. Que d'habitude, j'ai essayé toujours de faire deux missions. Quelqu'un s'infiltre. Allez, c'est parti. Hé, hey, t'as vu ça? Bon boulot, non? Aiden, il y a tellement de trucs. Il n'y a plus qu'à passer toutes ces infos, pas une fin. Ouais, bah t'as de la veine. Parce que dans ce merdier, les noms, c'est pas ce qui manque. Et ils sont tous liés à des trucs illégaux. Des flics pourris, le club, des manias de la finance, il y a même des notables bien sous tout rapport. Irak voulait faire chanter toute la ville. Hé, hey, attends, c'est quoi ça? Ça vient du serveur? Merde, merde, quelqu'un essaie de moquer. Putain, s'il y arrive, on perd tout. Allez, mine-toi. Qu'est-ce qu'on doit faire? Remonte son signal. Si on localise la source, on peut bloquer son accès. Allez, groupe-toi.
rebelle de merde, il envoie des séries de malware. Voilà. Je sais pas qui c'est, mais à mon avis, ça ressemblerait à Nicky Vault. C'est un hacker qui marche au contrat. Un vrai connard, quoi. Enfin, quand même un pro. C'est lui, c'est qui Bolt. Fils de pute. C'est qui ça, Clara? Il a l'air de te connaître. Je sais pas, je sais. J'en sais rien. Je vais le lire. Non. C'est pas trop difficile de les retrouver. Deux hommes, un hacker, un fixeur. Enfin, on dirait. J'ai jamais entendu parler d'eux. Je peux t'expliquer. Je voulais te le dire. Leur nom, je vous prie. Qu'est-ce qui va leur arriver? Depuis quand ça vous intéresse? Le tarif est plutôt convenable. On était d'accord. Damien Briggs et Aiden Pierce. Aiden! Quelqu'un s'infiltre. Clara. Aiden, il essaie de tout effacer, là. Faut le dégager, et vite! Peyton, dépêche! Préparez-vous! Je coupe la lime! Aiden? Qui c'était? Qui a donné l'ordre? Je savais, je te le dirai. Je te le promets. Je suis vraiment désolée. Je veux plus te voir. Tu peux me tracer ça? Ouais. Ouais, je m'en occupe. Fais chier. Allez, merde! Allez! Bordel! Oh. Hey, où tu vas? Cet enfoiré, il vient de nous coller un putain de virus. Il a copié tout ce qu'on avait. Et il a tout effacé sur nos systèmes. Il savait exactement comment nous avoir. Je dois aller relancer la tour de backup. Sans elle, pas de default. Et sans default, pas de données. J'y vais. Non. Laisse-moi, c'est moi qui y vais. J'ai pas peur de me salir les mains. Écoute-moi, Aiden. Tu vas devoir retarder Damien, au moins pendant un moment. Damien, j'en fais mon affaire. Je t'appelle dès que j'ai fini. Bonne chance, mon frère. Mon pote le rat, ça devient une histoire personnelle. Bon, on va les niquer. C'est pas compliqué. Bon. Donc, fais gaffe que j'ai mis ici. De l'autre côté, j'ai quoi ? Je ne sais pas trop ce qu'il a dans la tête, mais ce default est en train de risquer la vie de Nicky. Et c'est pas le moment pour venir m'emmerder. Mais d'abord, je dois gagner du temps auprès de Damien. Où est-ce que t'es? Tu m'appelles pour me faire plein de promesses, et après, plus rien? C'est pas sympa. Cette fois, on va se voir. Face à face. À l'ancienne, quoi. T'as prévu mon petit cadeau? Faut qu'on parle. Oh, Aiden. Dans ce cas, je choisis l'endroit. Voilà pour vous. Tu choisis mon endroit, d'accord, tu choisis ton endroit.
peine de faire. Même si c'est une salle. Ah non, c'est pas une salle minée. C'est une putain de belle voiture. Quoique. La police a besoin de vous. Aux yeux de tous. Le second est offert. C'est ici que ça se passe. Les meilleures affaires de la ville. J'ai pas les données. Damien le saura tout de suite en me voyant. Mais je peux peut-être tourner ça à mon avantage. Il a dit à Bloom qu'il leur donnerait tout ce qu'on a trouvé, y compris les infos qu'Irak avait sur eux. Il s'est mis en position délicate. T'es venu sans mes données, je suis venu sans ta sœur. On devient trop prévisible. T'as conclu un accord avec Bloom. Où t'as entendu ça? Mais il y a un problème, Damien. Ton accord dépend de ce qu'il y a sur le disque dur. Tu vas faire quoi si je te donne rien? Tu oublies un détail. Ta sœur, je passe un coup de fil et elle est morte. Alors appelle. T'as failli m'avoir. Tu réfléchis pas beaucoup, Damien. Cet accord a fini par te piéger. Si tu tues Nikki, je te donnerai rien, moi. Tu crois que Bloom te laissera repartir tranquille? Ils vont envoyer des fixeurs et tu seras un homme mort. Alors maintenant, on va jouer selon mes règles. Appelle ma sœur tout de suite. On fait une belle équipe, Aiden. Que ça te plaise ou non. On a besoin l'un de l'autre. Ça va, t'as rien? J'ai peur. Dis-moi que Jackson va bien retourner. Oui, il est à l'abri. Écoute, Nikki, juste... Surtout, il n'est pas bien. Bon, allez, ça suffit. J'en ai marre que tu me prennes pas au sérieux. La prochaine fois, si tu viens sans les donner, ta sœur mourra. Bâtard. Merde, faut pas que je traîne ici. Flash spécial. Des témoignages rapportent qu'Aiden Pierce, le justicier qu'on appelle le renard, se trouve dans le centre-ville de Chicago. La police invite tout le monde à rester calme. N'approchez pas le suspect. Il est considéré comme armé et dangereux. Vous êtes nombreux à nous envoyer des vidéos par téléphone. Damien pirate forcément les panneaux depuis quelque part. Les forces de l'ordre coordonnent le centre-ville. Le fourgon WKZ. Faut que je coupe son signal. Évitez cette zone. La police estime que Pierce est en activité depuis plusieurs mois. Il est violent et certainement imprévisible. On va aller s'en occuper alors. Et merde! C'est le mec que les flics recherchent! Ferme-la, t'as rien à m'apprendre. Pas sûr. Tu sais les trucs que tu fais avec le CityOS? Je t'ai bien regardé. Et j'ai appris. Tu veux voir ce que je sais faire, moi? Ça m'apprendra à vous.
plaît, mon pote. Ce serait pas bon pour ta sœur. Tu crois pas? Centrale à double visibilité cadrée. Le site a été repéré et marqué. Il aurait fallu que je trouve directement une voiture pour finir. Oui. Merde, faut pas que je traîne ici. Merde alors, c'est juste dans le centre-ville de Chicago. La police invite tout le monde à rester calme. N'approchez pas le suspect. Il est considéré comme armé et dangereux. Vous êtes nombreux à nous envoyer des vidéos. Damien pirate forcément les panneaux depuis quelque part. Les forces de l'ordre. S'il est ouvert, le fourgon WKZ. Faut que je coupe son signal. La police estime que le site est en activité depuis plusieurs mois. T'as l'air d'en baver, Aiden. Tu veux que je te montre comment on fait? Ferme-la, t'as rien à m'apprendre. C'est sérieux? Bien. Tu sais les trucs que tu fais avec le site iOS? Moi, je t'ai fait regarder. Et j'ai appris. Tu veux voir ce que je sais faire, moi? Ça m'apprendra à vouloir pactiser avec le diable. Que je vais mettre ces points. C'est pas le point. On va attendre s'il y a un petit appel, puis après je vais vous laisser. Hey, ça avance bien. J'ai redémarré la copie de sécurité. Ça va réactiver les systèmes du bunker, on n'a rien de temps. Je viens de parler à Nikki. Ta sœur? Elle va bien? T'inquiète, on va la récupérer. Je sais comment la retrouver. Pendant l'appel, j'ai entendu une annonce. Ça venait d'assez loin. J'entendais pas bien ce que le type disait. Un nom, un endroit. Tu crois que tu pourrais nettoyer l'audio et isoler ce qu'il dit? Bah, je suis pas vraiment un pro du son, mais... Envoie-moi ce que t'as, je vais me démerder. Ok. Je retourne au bunker. Non. On a encore un truc à faire. Devine ce que j'ai trouvé. L'appartement de Default. On va lui reprendre ce qu'il nous a piqué. C'est fini la pollution sonore, ouais. Donc le prochain épisode, c'est Monstre Riche en rebondissant. Donc je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et bye. Devant Londres de Starik. Je vous donne ma parole. Et moi, mes rousses. Où t'as entendu ça? Mais il y a un problème.